Yo yo yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Donc voilà. Donc là je suis en train de faire ma maison, partie 1. Donc en gros à chaque partie il y aura telle chose. Donc là, cette vidéo ça sera la partie. Donc cette vidéo là en fait ça sera. Pourquoi il pose des blocs de fer lui? Cette vidéo là. Ça sera en plusieurs parties. Je ferai chaque pièce et après il y aura la finition. Donc là c'est parti. On va faire notre cuisine. Voilà. J'ai pris une taille de cuisine comme ça qui est bien suffisante. Et on peut commencer à faire notre cuisine. Donc pour ce faire, on va commencer à faire le frigo. Donc le frigo on va le faire en coin. Vous mettez deux blocs de fer. Oh, j'ai même un bloc de fer là. Vous faites tout ça. Vous mettez genre comme moi. Voilà, comme ça, la porte elle est comme ça. Et vous mettez un levier là qui fait la porte. Mais attendez. Déjà, attendez, on va faire un truc. Je vais prendre du bois. Ça c'est très délicat. Ou non, même pas au top pro, je me suis cassé les fesses à faire ça. Vous mettez la porte comme moi. Et voilà, donc vous refermez. Ça va faire ça. Ensuite, vous allez mettre du style. Soit vous mettez du fer ou du quartz. Moi j'ai mis du quartz pour ma part. Je mets du quartz. Vous en mettez tout autour. Comme ça. Et là, que ici, ça sera le robinet, enfin le truc là. Et vous mettez de l'eau dedans. Après, pour enlever l'eau, voilà. Mais moi, je le laisse comme ça. Zut! Inondation de la maison. Après, il y a un autre type d'évier à faire. Et c'est même celui-là que je vais faire. Prenez des demi-dalles. Non, vous prenez des escaliers ou des demi-dalles. Peu importe, du moins que c'est des escaliers ou des demi-dalles. Moi, je vous conseille de prendre en quartz. Putain, il y a un zombie noir pas loin de la maison, là. Quartzite ou quartz normal, hein. Vous mettez du quartz et vous mettez en hauteur et vous cassez ces deux blocs là et vous mettez des escaliers ou moi je vous conseillerais plus. Attendez, ouais, en fait, vous faites comme moi. Un truc comme ça. Et du coup. Voilà, vous faites du style. Un truc comme j'ai fait là. Et après, vous faites toujours comme moi. Ouais, mais du coup, ça fait deux blocs. Vous savez, vous allez faire comme moi. Désolé si ça prend un peu de temps. Comme moi, ça on peut casser. Vous prenez des demi-dalles de quartz ou peu importe, du moment que c'est du quartz, ça soit lisse ou pas, on s'en fout. Vous les mettez comme moi et après vous mettez de l'eau dans ce qu'à partir de la 1.13 on peut mettre des lots entre les dalles. Et après vous allez aller dans le lit et tout en bas il y aura la redstone. Voilà. Moi, si je ferais vous, soit vous mettez un levier pour faire le robinet, mais moi, je vous conseillerais plus le crochet, ça fait vraiment style d'un robinet. Voilà. Ensuite, vous allez attaquer les fours. Donc, les fours, on va faire deux fours là. Un four là, un four là.
Vous prenez une trappe, d'or. Vous prenez une trappe d'or, vous choisissez laquelle que vous voulez. Moi, je vais prendre celle-là, comme dans la réalité. Voilà. On se met en shift. Et voilà. Comme ça fait plus style d'un four avec avec les trois trous qu'il y a au milieu. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, vous ouvrez. Voilà. Dites-moi en commentaire si l'idée elle est bien trouvée. Après, si vous voulez, c'est comme vous voulez, hein. On va reboucher ça. Comme ça. Comme moi. Là, il n'est pas nécessaire de faire, ou à part que vous pouvez faire ça, un petit plan de travail, mais moi, je vais pas le faire. Après, il y avait un autre design de four aussi. Je vais pas vous le faire, mais je préfère faire à ma manière, comme exactement comme j'ai fait avec les trappes d'or. Vous prenez genre un four. Imaginez, bon, non, rien. Vous faites ça et vous mettez en shift et vous mettez des rails, comme ça fait plus style d'une plaque de cuisson. Et si vous mettez une torche de reste à côté, ça va l'allumer pour faire style que la plaque de cuisson est allumée, tout ça, tout ça. Après, vous pouvez faire aussi un coffre et vous stockez votre nourriture dedans. Comme par exemple, vous avez dans nourriture qui est ici, je crois. Là, vous prenez le pain, du gâteau. Prenez un stack de ça, un stack de ça. Voilà. Zut, j'ai rien de coffre. C'est quoi ce délire? C'est quoi comme coffre? Ah ouais, c'est un coffre. Ah ouais, d'accord. Voilà, vous mettez des fioles d'eau à l'intérieur. Vous mettez des. Ça, vous voyez. Vous pouvez même mettre un seau. Bon, là, je vais pas les mettre. Voilà, et vous pouvez mettre une pancarte à côté avec marqué frigo, mais bon, je vais pas le faire. Alors, déjà, il y a du progrès. Il y a du progrès. Après, voilà, donc notre évier est fait. Ah, je comprenais maintenant pourquoi ça n'a pas marché. Bref, après, vous pourrez. Donc, on peut tout enlever, ça. Et vous pouvez prendre du style. Vous prenez un entonnoir. Et une pancarte. Et un bouton si nécessaire. Si vous voulez bien, vous prenez un bouton. Alors, les pancartes, c'est au premier, non, c'est au deuxième, non, troisième. Voilà, prenez une pancarte comme vous voulez, du moment que c'est une pancarte. Vous pouvez le faire où que vous voulez, allez, je sais pas, mais on peut le faire du style, on peut prendre du bois. Voilà, du bois. Vous prenez même un bouton. Voilà, attendez, j'essaye de me dépêcher parce que la vidéo, j'espère qu'elle va. Je vais pas la faire trop longue. Prenez un bouton comme vous voulez, moi je prends un bouton au boulot. Vous mettez trois bouts de bois là. Vous mettez un entonnoir. Vous faites comme moi. Donc c'est celui-là. Vous faites comme moi. Et vous mettez un entonnoir pour que l'entonnoir, le truc qui ressort comme ça. Donc déjà, on n'a plus besoin de bouts de bois, d'entonnoir et de rails. Et après, sur. Donc vous mettez en shift. Voilà. Non, même pas. Vous mettez, genre là, vous marquez expresso. Attendez, je vais le faire, je fais un ellipse. Voilà, on peut faire ça. Et vous mettez en shift. Non, ça marchera pas. Et vous mettez genre le bouton, je sais pas, moi, vous pouvez le mettre, vous le mettez à côté. Et après, une petite déco qu'on peut faire aussi, c'est que vous allez dans bloc décoratif. Alors, faut que je me dépêche. Parce que la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure 10 minutes, j'ai envie que vous la regardez. Putain, mais ils sont où? Ouais, ils sont là. Et vous prenez un pot de fleurs. Vous mettez genre là pour faire style que c'est un bol avec du café dedans. En plus de ce qu'ils ont bien fait réel, c'est que regardez à l'intérieur. Voyez, c'est un peu marron.
À la base, c'est de la terre, mais on peut faire ce type, voilà quoi, c'est. Du truc, quoi. Voilà quoi. T'auras compris ce que je voulais dire. Voilà, on peut remettre un bloc là. Mettez pas de bloc. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo que je fais ma cuisine t'aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est vrai, si c'est une belle cuisine, si je l'ai bien réussi. Voilà, je vous la remontre. Le café, j'avais même oublié un petit détail de mettre une trappe d'or là pour faire style qu'il faut remplir l'eau, tout ça, tu vois. Voilà, alors, allez, il faut remplir l'eau, le café. Voilà. Donc dites-moi si en commentaire ça c'est réussi. Voilà, la machine à café, le frigo avec le coffre à l'intérieur, les objets, les petits éviers et les fours. Donc dites-moi en commentaire si je l'ai bien réussi et si j'ai oublié un détail, si j'ai oublié quelque chose du style je sais pas, une table, ouais, une table au milieu là, mais on peut mettre une table au milieu, mais non. Voilà, donc dites-moi en commentaire si j'ai bien réussi ma cuisine. Après, c'est toi qui décide. Il y aura, bien sûr, à partir de 3 pouces bleus, si à partir de 3 pouces bleus ou de 2 pouces bleus sur cette vidéo, je vous fais une partie 2. Voilà. S'il y a au moins 2 pouces bleus ou plus, je vous fais la partie 2. S'il y a que 1 pouce bleu sur cette vidéo, et ben, voilà, quoi. Donc, avant minuit, là, il est 22h31. Avant minuit, je vous... S'il y a plus de 1 pouce bleu, je vous fais la partie 2. Et la partie 2, bah, je vous laisse à surprise. Hein. Là, je vous fais la cuisine. Et à la partie 2, vous verrez, vous aurez la surprise en notification. Metal Aircraft a sorti une nouvelle vidéo. Et là, vous allez voir le titre. Bon, allez, je vous laisse. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire, comme je vous ai dit, si la cuisine est bien réussie. Et si j'ai oublié un détail. Allez, bye. On se revoit pour la partie.